Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors cette fois-ci, on va faire un petit tuto pour voir comment réussir à ouvrir une porte depuis l'intérieur. Parce que là, le mécanisme est bloqué, donc il va falloir changer la gâche. Donc on va faire une première vidéo pour voir comment démonter la protection à l'intérieur du véhicule. Et puis ensuite, pour pouvoir accéder à la gâche et au moins ouvrir la portière. Allez, on passe à l'intérieur et on commence le démontage. Alors, en regardant sur une portière ouverte, il va falloir qu'on regarde dessous la porte. Et ici, il y a une vis. Donc en dessous de la porte, il y a une vis. Il va falloir l'enlever. Enlever les vis de protection ici, de calage, pour pouvoir retirer ce plastique. Et ensuite, il va falloir la dégrafer. Donc on fait ça depuis l'intérieur. On va accéder à la vis qui se trouve juste ici en dessous. Pour la vis en dessous, on est sur du T27. On va reculer le siège au maximum pour pouvoir accéder à la vis. Donc là, on est dans la vis et on dévisse tout simplement. Alors pour le moment, la vis, elle ne sort pas, mais elle est ici, elle est déjà bien démontée. Maintenant, on va retirer tout ce qui est cette protection ici. Donc là, c'est simple, on va passer un tournevis en dessous, on fait levier et ça va sortir. Ou alors sinon, vous venez le chercher par derrière, vous tirez tout doucement et ça va se dégrafer. Voilà. Ok. Et maintenant, on a accès aux vis. Donc, on va enlever celle-ci et celle-là. Pour accéder aux vis dans la poignée, on va utiliser de nouveau une clé Torx. Cette fois-ci, c'est du T30. Une fois que c'est dévissé, vous bougez comme ça, vous voyez que la garniture bouge. Maintenant, il va falloir tirer assez fortement pour pouvoir la déclipser de l'ensemble de la portière, en sachant que par le haut, elle est fixée en étant posée comme ça, enclenchée. Donc, il va falloir réussir à déboîter d'abord le côté et de préférence par en dessous. Alors, en tirant plusieurs fois sur la portière, ça a réussi à faire bouger la gâche et ben, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, une fois ouverte, il va être possible de démonter la garniture. Donc moi, je vais utiliser un levier ici pour le passer et dégager l'ensemble de la porte. Une fois que vous avez bien démonté toutes les pressions qu'il y a à l'intérieur, comme ici, voilà, ce qui vient là, du coup, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous allez pouvoir la pencher, lever et la désengager. Voilà, et là vous allez avoir la connectique à enlever pour la vitre électrique. Et en plus de la vitre électrique, il y a le système d'ouverture de porte. Et hop, c'est dégrafé. Donc maintenant, on va avoir accès à la porte, on va pouvoir démonter la gâche avec des clés ici. Donc ça, ce sont des clés particulières, ce sont des clés spéciales Volkswagen. Pour avoir une meilleure visibilité, on va démonter ce câblage pour pouvoir enlever cette protection pour avoir accès à la connectique derrière. Donc là, on dégrafe ça. Pour dégrafer le plastique, moi je vais utiliser une fourchette, je vais faire levier comme ça sur tout le tour pour pouvoir le sortir. Et une fois que vous avez fait le tour, vous tirez délicatement. Il faudra tirer vers le haut parce qu'il vient là-dessus. Et là, on a accès à notre gâche. Donc, c'est cette pièce qui pose problème et qu'il va falloir démonter. Donc, en enlevant les vis sur le côté, ça va permettre de la sortir depuis l'intérieur, juste ici. Alors, si jamais vous n'avez pas la clé 32 dents de Volkswagen, vous pouvez utiliser cette clé-là à 8 pans. Donc, ça va rentrer juste et il faut vraiment tourner tout doucement pour pas forcer, sinon vous allez arrondir tout l'intérieur et ben, ça se dévisse. Donc, voilà, tout doucement, vous y allez. Et ça va sortir. Une fois les vis enlevées, vous avez juste à le décoller de l'intérieur, hein, parce qu'avec le temps, c'est bien collé. Et une fois que vous l'avez bien fait pivoter et décoller, voilà, ça va sortir tout seul. Voilà la pièce qu'il faut changer. Donc il faut bien regarder parce qu'il existe des modèles différents.
Donc le prendre en photo, soit passer à la casse, ou alors sinon ben, le commander. Donc là, moi, je vais passer à la casse, donc je le prends en photo, et on reprend la vidéo pour vous dans quelques secondes, pour moi, dans quelques jours, pour reposer cette gâche-là.